Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter la toute dernière version du PA5X de chez Korg. Elle s'appelle la 1.3 et vous allez voir, c'est vraiment très bien. L'Operating System 1.3 du PA5X introduit d'importantes nouvelles fonctionnalités et d'améliorations dans l'arrangeur emblématique Korg. Cette mise à jour apportera certaines fonctionnalités très attendues présentes dans les anciennes générations. Mais pas seulement. Le nouvel OS apportera également de puissantes nouveautés implantées pour la première fois dans un arrangeur. Le nouvel OS réintroduit le format CDG MP3 avec paroles illustrées. Il permet de synchroniser des images avec une chanson. Le Chaospad permet de modifier vos styles et morceaux MIDI en temps réel. Vous trouverez 60 presets pouvant être utilisés comme un set prédéfini sur scène ou en studio. Dans l'édition des styles, un nouveau bouton Record Play est maintenant disponible pour chaque piste. Aussi sur la page, un bouton Delete Note a été rajouté. La fonction Copy Track Setting permet de copier tout ou une partie des réglages de track entre différents éléments de style. Sur l'édition Style Edit et Style New, vous pouvez maintenant changer la durée de vos variations d'accords, même après les avoir enregistrées. La fonction Undo vous permet désormais de récupérer un backup. Sur le bouton Korg Séquence Édition, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir rajouter des accords, enlever des accords, insérer des mesures, les enlever, quantiser ou tout effacer. Le travail se fait comme un séquenceur traditionnel, maintenant avec le mode Korg Séquence Édition. Vous pouvez désormais activer et mémoriser jusqu'à 16 séquences d'accords déclenchables à n'importe quel moment via les 16 pads. La même fonction est désormais accessible avec le mode Setlist. Vous trouverez bien sûr ces fonctionnalités sur l'onglet Matrix. Vous pouvez désormais réarranger votre setlist avec un ordre plus logique avec la commande Reorder Setlist. La RAM de 8 Go, compressée à partir d'une mémoire linéaire de 4 Go, peut désormais contenir 53 000 samples, plus de 80% supplémentaires. Vous trouverez dans ce nouvel OS plus d'espace de son utilisateur, jusqu'à 12 banques et 6 banques de plus pour les kits de batterie. Les drums peuvent être joués en utilisant la fonction Round Robin, cette technologie offrant un caractère très réaliste aux sonorités de batterie, en changeant aléatoirement les différents samples d'une caisse claire par exemple. L'OS 1.3 du PA5X intègre le format du TX16W X Sampler, qui vous permet entre autres de préparer vos programmations de batterie. Grâce à ce nouvel OS, vous allez pouvoir choisir sur un kit de batterie jusqu'à 16 échantillons. Un réglage de vélocité ou de layer se fera sur chaque échantillon. Vous pouvez envoyer des notes MIDI depuis chaque piste, sans jouer les sons internes, ce qui présente un mode utile pour un musicien utilisant des modules externes ou d'autres claviers complémentaires. Vous trouverez sur cette nouvelle version 1.3 de nombreux effets redesignés, des performances améliorées et 45 nouveaux styles. Voilà, cette version 1.3 était très attendue pour le PA5X. Vous allez maintenant pouvoir la télécharger sur le site Korg. À bientôt.